La deuxième action que nous allons mener en 2018 et qui rencontre bien sûr ce qui est fait par Jacques Chibois, c'est les Assises nationales. Les Assises nationales de l'œnotourisme qui auront lieu à la rentrée en octobre, vraisemblablement, et qui permettront au pouvoir public, à travers le Conseil supérieur, mais en présence d'éminents membres du gouvernement, eh bien, de faire droit à une politique en matière de œnotourisme dont nous avons besoin. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais simplement vous donner un chiffre qui exprime tout le potentiel de cette politique en matière de tourisme. Aujourd'hui, en 2016, il y a eu 10 millions de touristes qui sont venus en France à travers la viticulture, à travers la découverte du vin. Mais sur ces 10 millions, il y en a moins de la moitié, 4 millions d'eux, qui sont des étrangers. C'est dire si la réserve de touristes étrangers est exceptionnelle. Vous le savez tous, la consommation décroît dans notre pays, mais il y a une expansion exceptionnelle à l'international. Et aussi cette possibilité de faire venir des touristes étrangers qui découvriront notre pays à travers cette richesse culturelle, au-delà de la production, cette richesse culturelle qu'est la viticulture. Donc l'année 2018 sera une grande année, je le souhaite. En tout cas, je vais me battre pour, avec tous mes amis du Conseil supérieur, nombre de viticulteurs, nombre de professionnels du tourisme, je vais me battre pour faire de cette année l'année de l'œnotourisme. Voilà, et je voulais encore une fois saluer l'initiative de Jacques Chibois. Merci, monsieur le ministre.